Bonjour à tous. Bonjour Maxime. C'est le pire anniversaire. C'est pas ton anniversaire. Bienvenue dans, j'ai pas encore choisi le titre, épisode 1. Aujourd'hui, nous allons nous adonner à un concept absolument génial. Tu utilises très mal le mot génial. Nous allons nous adonner à un concept très simple. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Raft, bon, c'est pas sponsorisé par ce jeu, mais c'est un jeu que j'adore. Il y a 1, 2, 3 ou 4 survivants sur une plateforme. Et le courant, les choses qui dérivent dans l'océan, les cochonneries que vous mettez à l'eau, eh bien les survivants les récupèrent pour crafter des choses et notamment améliorer leur radeau. Alors en vrai, je dois vous dire un truc, on n'est pas dans l'Atlantique. Voilà, je le dis. Du coup, le courant n'existe pas parce qu'on est dans un lac fermé. Donc, le courant sera matérialisé par ce gars-là. Robert. C'est hilarant. Au fait, cette vidéo a été doublée. Donc si vous voulez les écouter parler en anglais, cliquez sur la roue et appuyez sur anglais. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous donne le vrai sponsor de cette vidéo, qui n'est autre qu'un partenaire historique. Igral. Oui, oui, oui. Merci Igral. D'ailleurs, Igral, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un site internet, une extension gratuite, et c'est surtout un système de cashback qui, lorsque vous effectuez des achats sur internet, vous permet d'avoir un petit plus, un petit supplément comme ça qui est crédité sur Igral. De la à partir de 20 euros sur votre cagnotte Igral, et bien vous pouvez la redemander soit en PayPal, soit en virement bancaire, soit en chèque cadeau pour l'utiliser, bien sûr. Igral, ça fonctionne sur 1700 marchands comme par exemple Uber Eats, comme par exemple Asos, mais comme par exemple aussi Cdiscount, qui est le site sur lequel on a acheté énormément des objets de cette vidéo pour pouvoir survivre. Enfin, moi non, mais le courant. Le courant a acheté des objets. Mais c'est super facile d'avoir le réflexe que dès que t'installes le truc du navigateur, c'est automatique. Exactement. Faut-il encore aimer l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? Igral est disponible sur tous les navigateurs, même Thomas qui conduit ce bateau. C'est un navigateur. Ah, wow. Ouais, voilà, voilà. Alors voilà. Bah moi j'ai toujours voulu faire une carrière d'humoriste, finalement j'ai fait youtubeur. Parce que je suis sur l'eau. Ah, on rentre. Le montant total de la cagnotte que nous avons générée grâce aux achats de cette vidéo s'affiche à l'écran. Regardez comme c'est beau, ça fait toujours plaisir. Si on l'avait pas utilisé, on l'aurait pas eu. J'ai failli tomber en arrière, vraiment. Merci à Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien dans la description qui vous donne 10 euros de bienvenue au lieu de 3 euros normalement, ce sympa. Ça soutient directement la chaîne. Merci à ceux qui prendront le temps. En gros, globalement, vous gagnez de l'argent et vous soutenez la chaîne. Donc là, je peux pas faire mieux. Fin de tournage. Merci. Bah c'était cool. Allez, allez, tu peux y aller, mon coco. 10 euros. Mais pourquoi tu chiens? Pourquoi un mec aussi si léger peut foutre autant la merde? Ah! Non, parce que non. Je vous ai pas dit un truc très important. Dans le jeu Raft, il y a un problème, il y a une menace. Oui, la faune aquatique absolument. Qui attaque. Détruite. Alors sous forme de requin plutôt. Ok, voilà. D'accord. Donc j'ai demandé à la prod de se démerder pour faire un requin. Ils ont réussi à faire du courant, je pense qu'ils peuvent faire un requin. Si le requin touche la plateforme, ah oui, on perd. Il faut défendre les plateformes. La plateforme et tout ce qu'il y a sur la plateforme. Je te coupe, il y a une plateforme qui arrive déjà. Oh, dis, il y a un courant, regardez. Avec une visseuse au-dessus. Attention, ça va à impact. Avance, avance. Ah, c'est bon. Chope-la. Non, non! Oh le con! Mais tu fais comment maintenant, espèce de con? Attendez, j'essaye de revenir par bascule. Attends, j'essaye de faire avec le vent. Regarde, il fait une voile. Moi j'aime bien que t'aies flingué le concept du patron au bout d'une seconde. Dès le début, quoi. Ça existe dans Raft, ce scénario? Oh, merci le courant! C'est adorable. Où est-ce que tu l'as trouvé? Ça dérivait? C'est le courant qui m'a ramené. Ça, c'est bien ça. Oh, c'est beau ça. Ok, oh, ok. Beau. Un, deux. Et vous voyez, ça vous paraît bizarre, vous, ce qui se passe? Bah nous, dans notre quotidien, ça, c'est un message WhatsApp. Mon concept, il est génial. Il l'assume encore. Excusez-moi, vous êtes bricoleur? Vous êtes rencontrés comment? Après le naufrage, 800 morts, on était les 4 derniers. Je vais baiser. Oh, ça m'emmerde. Vas-y, Thomas. Les gens ne le savent pas, mais Thomas a eu un passé où il était responsable du pôle Quincaillerie chez le Roi Merlin. Bravo à lui. C'est pas pour autant qu'il vit ses misères. Qu'il a jamais bricolé de sa vie. Hein. Comme quoi, heureusement que la NASA fait mieux ses recrutements que Roi Merlin. Oh là 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 là. Mais doucement. Non. Soit que j'ai niqué la tête. Mais moi je faisais pas les vis, je faisais les chevilles. Ça y est, j'ai enfin compris comment qu'on faisait. Comme ça. Et voilà. Eh, il a fallu attendre quand même quelques années avant d'avoir ce plan. Hein. 3 ans qu'il a fallu. Attends, je donne mon numéro pour les filles qui regarderaient. Je peux refaire vos joints de salle de bain si vous voulez. Bouge pas, pépé Tinder. Regardez, le courant arrive. Oui. GG. Ça sert à quoi? Oh, des petits grappins. Genre par exemple, regarde, si je veux grappiner le bateau. Non mais, ah ouais. Oh dommage. Pas mal. Et grappine Jan pour voir. Eh, qui c'est Camille Sala qui a pas balayé?
Vous aimez bien mon petit café? Oui. On s'est dit tous la même chose quand t'es arrivé ce matin. C'est quoi? Pas adapté. Et voilà. En gros, globalement, la vie suit son cours, on discute, il marche. On est revenu à la base de la base. Voilà. Oh là, le courant amène quelque chose. Choper. Chope-le. En vrai, bien joué. J'y vais. Qu'est-ce que... Non. Oh putain. Oh, merci pour le contenu. Il a eu un peu peur. Ah, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais fait de ma vie. Juste, on peut en mettre la scène de Aragorn qui saute au gouffre de Helm. Non, c'est moi. C'est la même. Tu peux me lancer après, Yvan? Yvan, c'est ouais. Maintenant. Allez, les gars. Oh, c'est bon. J'ai senti que mon lancer était pas bon. Bah, non. Ah, l'eau, elle pue la vase. Et c'est... Ça n'accroche pas, c'est évident, hein. Regardez-le. Ah, oh, il va nous remonter. Attendez. Oh, non, les gars. Non. Tiens, attrape. Ok. Allez, ouais, c'est pas mal, ça. Ah, pourquoi Kiki me pisse dessus? Oh là là, je vois vraiment pas l'intérêt de tout ce qu'on fait. Eh, hey, les gars, on a tous des apparts. Il y a un requin, les gars. Oh, les gars, les gars, il y a un requin. Les gars, faut le péter. Il est où, je le vois pas. Il y a un requin. Allez. S'il touche la plateforme, moi j'ai de l'enlever. Hein. Pousse-le. Putain, c'est... Il est mort. J'ai fumé. Je crois que le prédateur a rencontré son prédateur. Alors quoi, j'ai pas prévu l'indice 50. Avec la réflexion dans l'eau, je crois que je suis mort. Ramenez la casquette d'Ivan, sinon vous finirez comme lui. Il prend la compte. Je suis le prince des mers. Troblé devant mon courroux. Le gars qui s'enflamme. Il y a 5 minutes. Ah non, parce que non. Ah non. On est dans la merde, les gars. Bon, il y a plus de plaques, quoi, bientôt. Oh, à mon avis, il y a un bateau de transport de marchandises qui transportait des plaques qui a coulé. Il y en a plein d'autres qui vont venir. Ouais. La théorie est pas mauvaise. Ah, le courant. Je crois que le courant nous fait dériver une épuisette. Moi, je vais le choper, je me suis fait une anse. Non, mais mec, tu vas perdre la GoPro, arrête. Non. Merci le courant. Ah, merci courant. Bien joué. Sans toi, nous ne sommes rien. Pas tout si je sais, c'est mon rôle. Sans toi, nous ne sommes rien. Je tiendrai jusqu'au bout de la vidéo. Tu n'es rien. Je m'occuperai personnellement de chaque vis. Les gars, on se recentre. Oh, ça m'a qu'est-ce mouillé le cul. C'était quoi? Attrape-le. Bien, super. Bien joué. Bien joué, ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau. Oh, des bouquins. Super. Le guide des chakras pour des bouquins. Non, t'es con. J'avais pas lu en plus. Mais c'est le 2. Il y en a un autre. Ah. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Messieurs, nous sommes à 3 plateformes. Est-ce que déjà on peut juste parler de l'augmentation du confort, de la promiscuité? Regardez, je peux marcher comme ça. Voilà, oh là là. Mais la grosse info, c'est que tu marchais déjà comme ça tout à l'heure. Ça n'a rien changé, ça, de ce côté-là. Donc là, on est à 3 plateformes. On n'a rien pour bouffer, rien pour boire. Faudrait qu'on se protège de ça. Ah oui, ouais, je sens qu'il va pleuvoir très vite. Oh putain, les gars, nouvelle plateforme. Oh, il y a des sièges. Là, ça va être le grand luxe. Hein. On va là-bas, du coup. Tu joues pas si bien, là. Ah. T'es vraiment con. Arrête avec ça, il faut pas gagner. Con lui. Non, je suis derrière, hein. Ouais, d'accord. Tu penses là, tu sautes ou pas? Ouais, c'est un peu chaud là. Non. Quoi? Il a regardé toutes les vidéos de Mycorn. Bah voilà. Oh, putain, c'est un génie. Doucement. Putain, mais Yvan, tu viens de nous faire quoi? Mais... Ça m'arrive. Juste, t'es dispo pour les JO? Parce qu'on a besoin des gens qui lancent des bâtons comme ça. Ah, le con! Attention, parce que là, par exemple, c'est peut-être dangereux. Vas-y, tire. Oh, on est en vacances, c'est bizarre. Impact! Impact! Attention, le requin! Ne bouge plus, Maxime! Il va y avoir un problème si je bouge plus. Le requin! Non, mais c'est bien. Le requin, Maxime! Non, mais c'est. Le requin! Non, mais c'est qu'il me tire la cheville. Il me tire la cheville. On l'a touché là? Il a touché là? Il a touché. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? On est crevé. Qu'est-ce que vous avez foutu? Remplacement! Juste une question que je me pose depuis toujours. Est-ce qu'on a besoin des deux petits, des deux? Oui. Ou une, ça suffit? En général, oui. Mais les super forts aux javelots? On s'en défait. On s'en défait, adieu.
Oh non. Mais pourquoi tu m'as tenu le pied aussi? On aurait pu sauver un siège. Oh, on a sauvé un siège, on a sauvé un siège. Regarde. Putain, on avait gagné un espace vital. Moi, je m'étais déjà imaginé une petite véranda. Regardez le courant. Oh, les gars, il y a un bateau marchandise qui transportait des gourdes pleines d'eau qui a dû couler à quelques centaines de milles. Sur le bateau du courant, il y a écrit courant. Ah, c'est des lives trop en plus. Ça filtre bien ça. La promesse, c'est tu peux boire ta pisse quoi. Puis ça coûte cher ces merdes, hein, même si ça marche pas bien. Ça goûte pas la vase. Alors que goûte la vraie pouvoir? Non. Ok. Il veut de l'eau, Marc Lévy? Et il dit, ça ne goûte pas la vase. Il le but, il mourut et nous l'enculâme. La nouvelle plateforme, les gars. Attention, là, faut pas la rater. Hein. Oh, je la rate là, pas. Là, faut pas la rater. Hein. Je rigole pas. Je la rate pas. Ah, là, tu l'as raté, là, par exemple. Hein. Ouais, laisse non, Maxime. C'est moi qui grappine. Non, t'as eu tes chances. J'essaie une fois. Je vous laisse toutes les plaques. Chance. Mais laissez-le grappiner. C'est qu'un enfant. Grappine. Allez, grappine là. Non, mais non, non, ça, non, jamais comme ça. Oh là, c'est mauvais. C'est très joli, hein. Oh, c'est bon. Oh. Wow. Il a accroché. Incroyable. Non. Putain, j'ai dit. Excuse-moi d'avoir douté de toi, pardon. On a rien dit. Eh, sans déconner, Yvan, il devrait participer à Grappine avec les stars sur TF1. J'ai reçu les premières gouttes, fin de tournage imminente. Aïe aïe aïe. Eh, surveillez les requins parce que là, celle-là, on la démonte pas. Les gars, petit conseil à bulle, en fait, j'ai trouvé ce qu'on avait mangé ce midi, c'est une soupe de butternut. Mais non. Je vais vous faire tous les ingrédients à part un, vous me dites si on a ou pas. Ok. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Non, pas. Non, mais on peut remplacer par de l'eau de mer. Ok, un quart d'oignon. Ça, j'ai à la maison. Un quart de cuillère à café de cannelle en poudre. Je vais t'étonner, mais il ne m'en reste plus à bord. Du bouillon de légumes. Ça, il y a un cargo, mon pote, qui a coulé là-bas. Rempli de bouillon cube. Le cargo Knorr. Un cuillère à café de graines de lin moulu. Après, ce sont accessoires. Non, mais... dire en cas de survie. 90% des trucs qu'on remplace par de l'eau de mer. Robinson Crusoe dans sa soupe de butternut, t'as pas dit oh non, y a pas le grain de lin moulu. C'est bon, j'ai faim. Quoi? Le courant, le pain. Un truc simple, une paella. Messieurs, dames, voici où nous en sommes. Combien de plateformes? 1, 2, 3, 4 plateformes. Disposées en quinconce. L'idée, c'est de faire un H, plus ou moins. Et après, il y aura plus de lac. Il y aura que des plateformes. La météo qui s'annonce est quand même bien, bien à chier. Il faut un toit. Il y a le blouson de Thomas qu'on peut découper. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Allez, ouais. Bon, on peut tout imaginer. Hein. Genre, je pourrais sortir avec ta sœur, avoir couché avec elle hier soir, mais on va pas tout faire non plus. Ça y est, il devient grognon. Il devient grognon, il devient vexant. Les gars, ma vision d'aigle, au loin, me fait dire qu'il y a un gars avec un grappin là sur le bord du bateau et derrière, il y a une plateforme qui file à toute allure. Vous voyez ces nuages derrière moi? Ouais, ça sent pas bon. Hein. Ça ne m'inspire rien qui vaille. Doucement, il va tuer quelqu'un. Et voilà, c'est marrant, mais... Oh là là là, quel lancer de merde. Ne le jugez pas trop vite. Ensuite, moi, c'est fait. Hein. Allez, grappineur. Putain, mais ça a marché une fois. Tu te rends pas compte que t'as eu tellement de chats, frérot. Je suis assez d'accord là-dessus. Oui. Bah voilà. Et bah voilà. Alors moi je grappine pas moi. Alors le plan là, on va mettre la nouvelle qu'on vient de recevoir là directement via DHL courant, celle du milieu et les deux du bout avec l'autre connard qui est juste là. Thomas, un coup de main. Un peu d'aide. Thomas, un peu d'aide. Attention. Quoi? Le regard. Non. Thomas, passe-le. Nique-le. Ça dégage. Oui. FBI The Rangers, it takes the Sazer Rangers. Les gars, à table. Hey, vas-y. Ouh. On l'a mis où la pergola? Le courant nous amène quelque chose. C'est quoi ça? Oh, j'ai attrapé un truc, les gars. C'est quoi ça? Ça a bouffé. Putain, c'est de la bouffe, mais je l'éclate. C'est lequel, la pêche? Je vais faire un lancer là. J'ai fait une fois, ok? Je vais faire un lancer là. Ouais. C'est pas comme ça. Attention. Oh putain. Oh le béro. J'ai pas réussi là. Je vais faire un lancer là. Ouais. C'est pas comme ça. Eh, hey, c'était pas mal là, hein. Oh, j'ai hâte que ce tournage soit fini. J'ai dit à voix haute moi, non? Ouais. C'est ce que je viens de dire là. Ouais. J'ai entendu moi. Y'a un requin, Thomas. Y'a un requin. Il va à la lambourde. Nique-le.
Il est cassé. Bon bah du coup j'ai un conseil à donner pour tuer un requin. Allez-y à la lambourde. C'est vrai? Ouais, il est coupé en deux. Y'a le courant qui nous amène un truc, grappine. Ah c'est le toit, ça tombe bien hein. On était pile en train de mettre les lambourdes. Et puis bam, y'a le toit qui arrive. C'est vrai. Paf. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez, remets-le à l'eau. C'était... Oh non. C'était horrible. C'était la chose la plus choquante. C'était vraiment l'enfant qui remet le petit oisillon au vol et il s'écrase par terre. Bonjour, nous sommes à 5 plateformes. Nous avons eu la chance d'obtenir dans le courant des grandes lambourdes qui nous permettent de faire une structure, qui vont peut-être nous permettre de faire un toit. Peut-être. Nous n'avons pas encore mangé, mais le courant va sans doute venir nous régaler d'ici peu. Parce qu'il est midi, en général le courant il arrive vers midi, non? Je pense que j'ai envie de rien foutre moi. Et en même temps... Bon écoute-moi bien, je vais faire dériver ce panier. Ouais. Et comme je sais que cette vidéo te fatigue, je vais le jeter à la dérive, mais c'est pas une blague. Ouais. Si tu le mets, je me barre. Tu peux te barrer. Thomas, c'est ta porte de sortie. Il a failli perdre le pont. Alors là, mais c'était fin de séquence, on a rien à foutre. Bah, d'ici c'est une distance raisonnable. Non, t'es un ouf toi. Thomas, c'est pour toi. Y a pas de vent, y a pas un pet de vent, c'est maintenant. J'ai tellement envie de le mettre, vraiment. Oh. Tabac. Non, il y allait pas, de toute façon, il y allait pas. Ah non, il y allait pas. Bah, en fait, on saura jamais. Genre, depuis le début, tu... J'avais pas prévu ça, j'y ai pensé sur le coup. Non. Bah, merci Thomas, c'était cool. Vraiment, je partais, hein. Je partais faire mes petits mails dans mon petit bureau de connard, là. Tu chies sur tes projets. Oh, allez, go. Il y a un requin. Oh les gars, requin. Oh putain. Non. Oh la vache. Oh, oh j'ai paniqué hein. Ah bah Thibaut aussi t'as failli le buter. Thibaut il a eu peur aussi. Putain mec t'as été fort là. Ça va, il n'y a pas que lui qui nique des requins. Oui mais tout à l'heure c'était toi. T'as été super, franchement Étienne, comment tu l'as niqué le requin. En plus il était largement plus gros que les deux petites fiottes d'avant. Les trois. Bah c'était de la merde, c'était les petits fins. Bah mec c'était mais impressionnant. T'as été donneur d'alerte, en même temps t'as gardé ton calme et t'as agi quoi. C'est pas le seul qui a fait ça dans la vidéo. Ça va Thomas? C'est bon t'as rien? Non mais ça va, je l'avais vu avant vous déjà, c'est juste pour vous donner un peu d'or de gloire. Il y a le courant. On n'est pas prêt là pour la fixer celle-ci là. Je lui file une corde. Ouais, on la marre avec une corde et on s'en branle là maintenant. J'avoue. Waouh. Dans 2 jours on est à Lisbonne. Waouh. Tiens Yvon. Tiens Thomas, c'est bien. Oh, c'est stylé. Mais oui, c'est stylé. Yvan? Ouais. Tu pourrais lâcher un peu de mou là? Ouais. Je vais la doubler en fait. Ok, vas-y, double. On a perdu notre plateforme. Bah en fait, j'étais dessus. J'ai pas d'excuses. Je la maintenais. En vrai, il a tout essayé pour la rattraper, extrait. Ah Thomas, il y a la plateforme, tu peux aller la chercher? Ah, j'ai tout fait. Un sandwich, c'est pas trop demandé. Un mimolet de beurre me suffira. J'ai faim. Arrête de chier, allez. S'il vous plaît. Bon, l'idée, c'est qu'on fasse un toit penché pour récolter de l'eau de pluie pour pouvoir la boire. Parce que même avec les pailles qui filent, j'ai pas confiance. Ça, c'est... Non. Ah, y'a un gars, là. Y'a un type, ici. Ah, alors, s'il y a un type immobile qui bougonne, c'est forcément Thomas. Ça devient relou, là. C'est de la torture. On veut un sandwich. Oh, j'ai faim, putain, j'en ai marre. Fait chier aux plateformes de ces morts. J'ai faim. J'ai faim. La production, j'ai faim. Je crois que ça arrive, Thomas. Ah, il y a un panier repas là, carré. Oui, je crois bien. Qu'est-ce qui est. Oh là là, mais dis donc, mais. Dans Raft, c'est des bouts de jambon. Déjà tout crafté. Oh la vache, incroyable. Pourquoi il vient pas là? Eh hey, les gars, quand on est en mer, le courant on choisit pas, enfin je veux dire... Pourquoi il vient pas là? Non mais le courant on choisit pas le courant. Non mais... C'est moi ou il y a du Justin Bridoux? J'en peux plus. Ça a l'air tellement parfait en plus. Pour moi là je vois une sirène. C'est quoi? Tu vois, il y a une chips sur la bouée. Les connards. Il y a un truc là-dedans ou il y a rien? Mais il y a rien. Grappine quand même, on sait jamais. On a rien qui flotte pour tenter d'y aller avec nos, les bouées plateaux là. À quel point t'as faim Thomas? Franchement, ça fait une minute que j'hésite à y aller quoi. Que j'hésite à y aller à la nage. Moi c'est oui. Voilà, vas-y Étienne. Vas-y. Allez. Non. Oh non, je reconnais les boîtes, on les a déjà mangées. C'est du lyophilisé? Oh non, c'est pire, c'est largement pire que ça. Pistole.
Mais non, il s'est pas graffiné. T'as fait quoi, BTS grappin? Non, je crois pas, non. C'est clair. C'est mort, c'est mort. Attends, j'attends. Non mais c'est pas divertissant hein. On aurait dû laisser Yvan faire. Non. On aurait dû laisser Yvan faire. C'est-à-dire quoi? Mais lancer c'était pas beau. Il va revenir. Non. Il y avait de la sampé. Non. Il y avait des twinettes. Des twinettes. Quel délige au même moment. Fais chier. C'est scripté. Remplissez les gourdes. Ça coule bien. Eh les gars, j'ai plein d'eau hein. T'as trouvé une ration de survie? C'est le petit bateau qui nous a ramené ça tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est, Thomas? Ça ressemble pas du tout à un ossobuco. On y va? Allez. Alors, il en pense quoi de la ration de survie? Du coup. Ah, ça met. Je me suis trempé le cul. Regardez. C'est l'enfer. Ah, il est mouillé du cul. Ah non, c'est l'enfer. Bon app. Merci. Il y en a pour toute une famille. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? On s'installe. Il se régale? C'est du sable sucré. Non, je suis pas bon. Attends, j'ai un truc. C'est vraiment pas bon quoi. Ça rappelle les trucs feed là et tout. Non, c'est meilleur avec de l'eau. Faut le tremper dans l'eau, c'est bon. Je vais essayer avec une équerre moi. Fais-toi un sandwich, tu rigoles? Ice cream sandwich. Il y a le courant, il y a le courant. Il y a un sac qui dérive. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Le courant nous a amené ça? D'accord. Il est vif le type. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi que c'est un aimant. Parce que cette vidéo est aussi une vidéo écologique, nous allons nettoyer le fond de cet océan. Oh là 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 là, donne-moi ça. Et vous pouvez le faire là? Vous pouvez le faire là pour que j'ai un petit spectacle? Bah bien sûr, tu rigoles ou quoi? Eh hey, oh, oh oh, tu fous rien mais on va quand même te divertir. Oui, oui. Ça va péter ou dans tout ça? T'es trop positif, ça m'énerve. Oh là là, ça va être trop bien. Vas-y. Oh putain, un caddie. Allez, moi je m'y connais en... Oh là 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 là. Oh là là, c'est tellement bon. Mais non. Mais con comme ses pieds. C'est pas un grappin hein. Ah mais le con, il refait la même chose. Il est une bête. Non, chacun. Ah. Je t'ai accroché encore. Non, la corde. Accrochez le bout. Accrochez le bout. Ah. T'as un caddie? Franchement, je pense. Oh oh. Les gars, je crois, hein, j'y crois là. T'as quelque chose là, non? J'y crois. T'as quelque chose? Eh ben, c'est bien. Putain, j'y crois trop. J'ai de la gadoue. Oh les gars, il y a une plateforme. C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a un G36 automatique? Je comprends pas. Ça fait mal ça, hein? Les pistolets à eau. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le pistolet qu'on voit dans les tic-tuc. Oh là, c'est comme papa dans maman là. Oh, c'est trop marrant ce qu'on fait. Eh, ce concept, mais j'y crois fort, dur comme pierre. Attends, force pas pour moi. Attends, c'est la solution. J'ai trouvé un pic à bois pour piquer des bois. Tu trouves pas qu'il y a énormément d'armes de défense? Mais je comprends pas trop. Ouais. Peut-être qu'on va devoir se défendre d'une nouvelle menace venue du courant. Mais c'est quoi qui va nous attaquer? C'est dangereux vos trucs de jeunes là. Voilà, là tu peux niquer des mères. Ok, moi je patrouille. Je vais aller voir s'il y a des méchants par là. Ok, je patrouille là aussi moi. Ok, y a rien ici. Bon bah j'ai fait le tour. Plutôt calme. RS. J'en ai marre. La la la. Avec moi Saint-Étienne. J'en ai marre. Mais on fait quoi là? Allez. Si tu pouvais me pêcher une pomme pote. Les gars, on va se prendre un déluge sous peu. C'est de la merde. Je vais le faire, je vais me mouiller, attends. Non, fais pas le con Thierry. T'as ta gosse et tes femmes. Et voilà, je suis tout mouillé maintenant. Je m'ennuie, mais comme jamais. Je veux me barrer. C'est fini pour moi. Ramenez le petit bateau et je rentre à la casse-bas. Je m'ennuie, mais ferme. Maxime? Ouais. Il y a une tourelle de combat qui arrive. Mais c'est une guérite. On va te mettre là-haut, en haut de ta chaise, et je veux plus t'entendre. Oui. Ok. Oh là là. Oh, c'est un peu stylé. Hein. Oh là là. Oh, celle-là, va falloir la fixer, mais solide, les poteaux. Oh, ça a pris l'eau, les gars. Ah, c'est mort. Tu penses? Vas-y, lâche. Elle remonte pas. C'est vrai. Ah, c'est baisé. Alors, si on la colle, ça peut le faire. Thomas, tu te sens d'aller avec Yvan ou pas? C'est notre tour de guet, c'est ça? Absolument. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? C'est le truc le plus dangereux que t'aies jamais fait? Quand j'en ai marre, je peux faire n'importe quoi. Ok, patience. J'ai rendez-vous à la caisse d'épargne dans 15 minutes, les gars. Il s'agirait de rocher. Vous allez bientôt pouvoir revenir, les gars. Chic, chic, chic. J'ai payé un gars en CDI et son salaire sera plus élevé que Thomas. Et il sera chargé de dire à Thomas de se la fermer.
C'est bon, je peux revenir? Vas-y. On essaye, voir. Tada! Thomas va sur ta tour et je veux plus jamais te voir. Voilà. Et ça se transforme en un sans couche, t'as plus qu'à mettre des costumes. J'avais justement mon costume d'haricot rouge qui venait d'arriver. Je fais quoi maintenant? Quand est-ce qu'on rentre? Et une vis. Si tu me dévisses, c'est trop drôle. Je suis désolé, mais Yvan aussi, il s'ennuie. Il le dit différemment, c'est tout. Ça me fait plaisir de devoir t'amuser. Tu gardes au moins une once d'énergie. Eh, je suis plus aventurier que vous croyez, hein. Je suis déjà à la Boulogne-sur-Mer, moi, messieurs. Boulogne-sur-Mer, et c'était un jeudi en plus. Que vois-tu là-haut? Une zone commerciale, un restaurant, des cadreurs, des poubelles. Bon, bah, et roleplay dans roleplay? Ah. Une zone commerciale, pardon. J'y vois les terres du Palandil. Trop roleplay? Ah, je sens la pluie arriver, messieurs. Je suis fils d'agriculteur, je le vois venir, ces choses-là. Merci, Étienne. Les gars. What the fuck, c'est des bichards! Oh, il est fou. Il est tué. Je peux l'achever ou pas? Rendre un peu de pirate. Oh. Moi j'ai une question là, c'est quoi notre but dans la vie? Là, décorer et en faire un espace viable. Ah ok, d'accord. Parce que oui, on a construit, oui, on a agrandi notre espace, mais ça ressemble à rien et c'est le bordel. C'est vrai là. Que ça ressemble à que dalle. Bon alors, on range, on décore. Oh non non. Et on répond pas. Pardon monsieur. Tenez un pistolet pour lui tirer dessus. L'éducation, certains disent à la baguette, moi je dis au M32. Non mais vas-y, ouais, on aménage et tout, on range et tout, ça va être trop bien. Ah ouais. Hop. Ouais, pile devant la GoPro. Ah ouais. Genius. Les gars, une cellule orageuse arrive par le nord-ouest. Bon, ta gueule, non? Bon, tu veux faire comme ça et puis là, avec des serre-câbles ou faire un DEL? Allez, on fait comme ça. Bravo. Merci. Enfin, quelqu'un qui apprécie mon travail. Il y a le courant qui amène quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, une guirlande lumineuse. Sans doute un cargo de guirlande lumineuse qui est tombé à l'eau. Bah oui, c'est connu ça. Allez, viens le courant, viens le courant. Hop là. Elle a servi dans combien de vidéos cette guirlande? La maison la plus petite du monde du camping, île flottante, battle de nerf 3, battle de nerf 4, battle de nerf 5, battle de nerf 6, battle de nerf la revanche. Le retour des battles du nerf, battle de nerf résurgence, battle de nerf et les reliques de la mort. Thomas, tu vas me trouver bête, hein. Tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Je prends le risque. Allez, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Tu la fermes. Et ensuite, que tu me fasses des petites guirlandes, là, les petits fanions, tu m'en décores, tu pourrais un peu partout. Oh, si ça lui fait plaisir. On est quand même très gay pour des pirates, non? Les petits fanions, moi, j'aime bien. Ça rapporte tout de suite une ambiance sur un radeau de survie. Ça commence à être compliqué, là. Ah, quelle belle journée. I sing it in the rain. Ça sert à rien de tirer sur la pluie, Yvan. Elle partira pas comme ça, hein. Tu l'as. Ça va super bien, ta guirlande. C'était pas ça, le concept de la vidéo. Les gars, les gars, ils sont dans le déni complet. Accroche la guirlande, Yvan, là. On a l'électricité à bord. Oh merde. Merde, attendez, je manquais de tenir ça. Je me fais éclater. Oh la vache. Arrête de chialer. Oh la vache. Je veux rentrer. Oh, au secours. On n'est plus accroché. Je m'amuse plus. Eh, l'eau est super bonne en tout cas. L'arbre. Oh merde. Je vais essayer de la récupérer rapidement. Fin de vidéo. L'encre s'est détachée. Je suis terrorisé. Je crois toujours en ce concept. J'y crois toujours. Je pense que c'est une bonne idée. Y a un truc qui s'est mal passé, non, dans ce qu'on vient de faire. Tu penses à quoi? Se lever ce matin pour faire cette vidéo et après la pluie. Attends. Quoi. Ouais. Ah, et quoi d'autre? C'est de l'eau du lac, ça, j'ai ressenti le. Bah pour moi, vraiment, ces vidéos, elles sont vraiment très importantes, les gars. Ouais. Parce que c'est le moment où on voit que bah, dans les pires moments, on s'est resté soudés. Oh, arrête de chialer! On s'est resté calme. Oh, et. Encore un petit extrait. Ah oui, c'est à ce moment-là aussi. Attends, mais extrait de Thomas qui nous a grandement aidé à ce moment-là aussi. Ouais.
putain. Tu pleurais comme un enfant, c'est bien toi que j'ai entendu pleurer. Il y avait tout sur l'île sauf ma dignité là. Ok. En tout cas, je tenais quand même à... Parce que c'est important de dire les bonnes choses quand il y en a. Merci Étienne pour la construction. Avec plaisir. Merci Yvan pour le grappinage. Oh bon, attends. Merci Maxime pour tout le soutien sur chaque front en fait quoi. C'est même t'as mis une petite guirlande à un moment, magnifique. Ouais. Yvan, t'as mis celle-ci là. Ouais. C'est vrai. J'aime beaucoup. Ah, ça rajoute de la gaieté. C'était trop cool. C'est cool. Alors merci Thomas pour. Et puis le meilleur moment c'est quand la tour elle est arrivée. Et le meilleur pour la fin. Et je crois que le courant il nous ramène quelque chose. Oh là. T'as oublié quelqu'un dans ton petit listing. Je commence vraiment à penser que le bateau qui a coulé c'était un bateau Laura Merlin quoi. Mais pas remercié. C'est-à-dire je fulmine. Bon allez, je vais grappiner moi. Regarde derrière. Qu'est-ce qu'on va faire de cette plateforme? Il y a trop de place. Grappine. Oh joli. Tire-tu. J'ai pêché un truc. Merci Thomas, merci MR. C'est de venir faire des concepts à la limite de l'esclavagisme. Hop là. Vas-y, monte dessus. Non, Tom, pas. Mais j'ai même pas vu ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Au secours. Attends, grappille la chaise. La chaise d'abord. Non, pas la chaise d'abord, non. Thomas, tiens ça et touche à rien. Merci, Thomas. Merci. Franchement, j'arrive pas à comprendre dans quel monde t'es pas tombé à l'eau. C'est incroyable. Je sais pas, j'ai gainé. Bon, j'ai essayé de récupérer Yvan, par contre. Qui? Yvan? Ah oui. Il y avait Yvan. Ça fait plaisir, en tout cas. Moi, je vais le sauver à la main. Oh, c'est pas con. Mais Thomas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Thomas. Oh non. Je t'aime. Je rêve. Je t'aime. Thomas. Je rêve. Aide-moi. Reviens. J'en ai marre. Thomas, y'a pas de... On lui donne une impulsion. Aide-moi. J'arrive vivant. Mais oui. Ah oh, putain. J'en ai marre. Ah, j'arrive pas à croire que je suis encore en vie. C'est clair. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Allez, mal. Ça marche étonnamment bien. Oui. Ok. Il va la voir. Ok. Il va la voir. Chopez-le. Allez. Accrochez-vous. C'est si proche. Accrochez-vous. Oui. Tirez. Vas-y. Si je puis me permettre, il y avait la place pour deux, non? Attends, mais parce que je suis pas encore sorti d'affaire. Ah, ça, c'est sûr. Hop là. Lâche pas le canapé. Oui. On l'a fait. J'ai vraiment eu un coup d'adrénaline. Ah, c'était génial. Alors en fait, je refais l'histoire. Je m'assois sur le truc, la plateforme penche, je tombe à l'eau et je suis encore en vie. Il y a un moment, vraiment, le canapé était comme ça. Et je sais pas, il y a une intervention divine qui avait... Et bah finalement, les gars, j'y croyais pas. On va la sortir, cette vidéo. Je suis très content, bravo putain, quelle aventure. Oh, merci. Quelle aventure. Oh là là, la vache. On a pas pris dans les bras. Bien joué, mec. On a grappiné les trucs. Bien joué. Bravo à tous les poissons. Ah. Et bravo aux cadreurs aussi. Bravo les cadreurs. Bravo. On a carrément poussé. Oh, en fait. Le courant également. Oh là là. Et les agriculteurs, c'est génial. Oh bah là, c'était carrément violent. Les gars. Quoi? Ouais. Il y a le courant qui se pointe encore avec une plateforme. Qu'est-ce que c'est? Attends, j'arrive pas à voir. C'est un type. C'est le repas de ce soir, messieurs dames. C'est un pêcheur. Ah, il me dit quelque chose, ce gars. Bonjour, monsieur. Messieurs, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Un naufrage, globalement, un naufrage. Et puis on avait une plateforme comme ça, puis on l'a développée avec ce qu'on a trouvé sur le courant. C'est pas très bien fabriqué, ce truc-là. Hein. Si, on a quand même. On l'a fait avec les moyens du bord, quand même. Une journée de taf, quoi. Hein. Bah là, il y a un tsunami, vous finissez dans les faits divers, les copains. Ça, je m'attendais pas à ça en premier contact avec l'extérieur et. Un peu dur. Vous êtes professionnel de quoi? Moi, j'étais en XP, quoi. Expédition. Mais se balade comme ça, ce sont bah, c'est le week-end quoi. Bah montez à bord. Oui, allez-y. Non, j'ai pas besoin. pardon. Alors, hop, voilà, oui, tu vois. Wow, c'est vrai qu'il je me suis emballé. Y'a aucun souci. Bon, on joue au petit pirate. Bah ouais. On essaye. Hein, la survie, c'est pas un jeu, hein. Oui, monsieur. Donc je peux profiter de ma présence pour vous transmettre 2-3 bases. La pluie, c'est bien, hein. Faut profiter de la pluie, hein. C'est la nature, hein. Comme ça?
Ouais, comme ça, comme ça, puis tu portes à la bouche. C'est ça. T'es le petit rigolo de la bande, toi, c'est ça, hein? Non, je demandais. Ok. Donc l'objectif, c'est d'être connecté aussi aux éléments. Là, je vois petit canapé gonflable. C'est pas ça, la survie. C'est le courant qui nous l'a apporté. Tu te fous de ma gueule? Je vais te faire défoncer. Non, vraiment pas. Non, mais vraiment, c'est le courant. On va arrêter de plaisanter deux minutes. Quand on a vécu ce que j'ai vécu, quand on est confronté à la mort, quand on est confronté à un prédateur, par exemple, on n'a pas envie de rigoler avec le prédateur. Ça, vous avez fait ça? Bien sûr. Forêt de Marne-la-Coquette, un sanglier, la semaine dernière. La semaine dernière? Semaine dernière. Ça s'est fini comment? Je l'ai démonté. Après, c'était un marcassin, c'était un bébé. Hein, donc, mais ce que je veux dire, c'est quand vous sentez l'animal en face de vous, vous faites pas vos malins. D'accord? Ouais, vous avez des questions? Tu ne lèves pas le doigt, on lève pas le doigt en survie. Hein, Allez, vas-y. Je voulais savoir si on pouvait boire l'eau du lac, s'il vous plaît. Tu peux tout boire. Le Rhin, c'est un filtre, hein, ça filtre tout. Tu peux même boire de l'essence. Moi, je l'ai fait. Les hommes préhistoriques, ils se posaient pas la question. Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que je peux manger ça? Tu peux boire, vas-y. Non, là, t'as fait semblant, je veux que tu boives vraiment. Viens avec moi, s'il te plaît. Alors. Oui, c'est dans ton contrat. Donc, tu t'approches et puis tu n'hésites pas. Vas-y. Voilà. Ok. Hein, t'auras une petite chiasse dans 2-3 jours et puis ça passera, mon grand. Le goût, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bon. C'est pas très bon. C'est pas très bon, mais c'est pas non plus imbuvable. Si, quand même. Si. Ton corps est en train de faire son travail, là. Ça, je sens tout ce qu'il dit, je sens. Tout simplement. Vous savez qu'on peut boire son urine, on peut aussi se nourrir de soi-même. On peut manger son caca? Pas son caca. Le caca, c'est pas bon. Clairement, quand on est sur 3 ou 4 semaines de naufrage, il y a un moment donné, il y en a un dans la bande, là. Le plus fragile en général. Ah oui. Tu me permets juste que je regarde quelque chose? Oui. En plus, toi, tu as un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de te déplumer. Oui. Ça, c'est important, hein. Ah bah du coup, je vais mourir en premier. Je pense que tu as le profil. Au bout de 2 semaines, quand t'as pas bouffé, je peux te dire que tes camarades de jeu, là, ils vont juste te voir en chicken wings. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont avoir ils ont envie de taper dedans, quoi. C'est vrai que je l'ai vu très rapidement en chicken wings, lui. C'est comment je peux faire pour devenir quelqu'un qu'on mange pas en premier? Tu pars de très loin, mon grand, hein. Là, ça va pas se faire en 2 jours non plus. Faut que tu t'épaississes déjà. Tu t'épaississes. Mais le haut ou le bas? Mentalement. Ah. Pas physiquement. T'es sensible, toi? On le dit, ouais. C'est vrai qu'il est assez sensible. Oui, et c'est pas bien d'être sensible quand on fait l'aventure. Il n'y a pas de place pour les sensibles dans la survie, hein. Ah. Mais non. Et non. Crois qu'il y avait des sensibles chez les hommes préhistoriques? Non. Pas à souvenir. Non, il n'y en avait pas, à mon avis. Crois que les hommes préhistoriques, ils faisaient des crises d'angoisse? Hein? Que tu étais diagnostiqué hypersensible, moi. Tout le monde, hein. En 2023, ils sont tous hypersensibles, hein. Non, mon grand. Dur. Hein? D'accord. Bon, les mecs. On va voir quelle est l'attitude que vous avez face aux prédateurs. Vous avez déjà eu un requin? Requin, non. Truite de 12 kilos, oui. C'est violent. Comme vous êtes un petit peu des survivants du pauvre, on est juste à 3 mètres de... Du rivage. Ouais, c'est vrai que j'avais vu, j'étais un peu dans le déni depuis le début, mais il y a le rivage à côté. Ouais. Ouais. Donc on va voir un petit peu les... Okay. Comment on adopte. Okay. D'accord, okay. Okay. Bon, on y va alors. Allez. Bon. Messieurs, on est en condition quasi réaliste là. D'accord, vous reconnaissez l'animal? Grand requin blanc, ça. Requin marteau. Requin marteau. Requin marteau. On le reconnaît avec son... Le requin, donc prédateur, il y a 3 étapes. Faire connaissance, la première étape, ou pas du tout? Tu penses que tu vas pouvoir faire connaissance avec un prédateur? Il est sauvage, je peux pas parler. Il y a 3 étapes. La première, c'est le regard. Si le regard ne fonctionne pas, la deuxième étape, c'est le verbal. Et après, si ces 2 étapes-là n'ont pas suffi, on attaque physiquement, hein, bien sûr. On n'a plus le choix. Comment? Okay. Ben, on va voir ça. Tu veux commencer? Je vois que t'as l'air motivé, mon grand. Qu'est-ce que tu me proposes? J'aurais salué comme ça, comme en... au JO. Bon, déjà, tu te mets en condition. Tu t'es déjà retrouvé seul en océan? Ah non. C'est dommage. Il faut, hein? Mais je lui dis, hein, en plus. Okay. Je lui dis ça, de faire ça. Tu lui dis? Ouais. Parce que j'essaye plutôt de m'éloigner de tout danger, moi, en général. Oui, mais parfois, c'est le danger qui vient à toi, hein, mon bonhomme. Hein. Donc, Est-ce que je lui dis ça, je lui dis. Montre-moi le regard que tu peux... Oula, je t'ai gêné, là. On est plus sur un regard de parade nuptiale que de... D'accord? Donc, le regard... Ça, c'est déjà un peu plus intéressant, ça. Bien. Tu... T'es là, bravo. Si, bravo. Ouais, c'est cool. Merci. C'est bien, mec. Waouh. C'est pas fini, hein, tu peux revenir. Ah, on va partir du principe que ton regard n'a pas suffi. Comment tu t'exprimes, verbalement? Oh! Non. Hé! Hey. T'as un problème? Waouh. Ok. Non, j'ai pas de problème. Tu vois? Tout de suite, qu'est-ce que tu m'as répondu spontanément? J'ai pas de problème. T'as pas de problème. Ouais. Bravo, mec. Okay, messieurs. Et puis après, physiquement. Reviens, hein, tu... Il est pas dégourdi, celui-là. Hein. Non, mais je lui dis ça. Physiquement, comment tu t'y prendrais, là, tout de suite? Le requin t'arrive dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu danses avec lui, là, ou quoi? C'est un câlin, non, ça. Mais il est tout dans l'amour. Judo, lui, c'est du judo. Il est dans l'amour. Eh. Oh. Il voit plus. Ah. Oh. Ah oui, d'accord. Pourquoi il voit plus? Parce qu'il a. Qu'est-ce que vous mettez vos mains, en fait? Ah, il leur manque la vue, en fait. Ah bah si tu lui caches les yeux. Tiens, cache tes yeux. Tombe dessus. Ah, il est désorienté. Ah, tu te sens désorienté ou pas? Ouais, je vois plus rien là. Et bah il ressent la même chose, le prédateur. Hein. Ah, et du coup après, oui, c'est beaucoup plus difficile. Vous voulez essayer? Moi, je veux bien. Hein. Je me lance. Vas-y. Vas-y. Alors, c'est là. Ah, faut regarder d'abord. Et là. Ok. Et ensuite? Ah.
Imagine que tu es en milieu marin, hein, par contre. Hein. Donc, s'il te plaît, tu te mets en condition de nage. En condition de nage. Oui. Ouais. Ok. Exactement. Où est-ce qu'il est à l'aise, le requin? Dans l'eau. Dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'eau. On le sort de l'eau. Ah. Je retourne le requin. Ok, d'accord. Là, non seulement tu lui fais perdre le sens de la vue, regarde, regarde ses bras, naturellement, regarde. Ah, c'est regarde. Vrai. Et là, tu... Waouh. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais, très bien. Allez, à vous. Allez, je te laisse te regonfler. Putain, ça me stresse. Tu l'as, non, c'est bon. Voilà, bien. Ouais. Bah oui. C'est ça. Et oui. C'est ça. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Et okay. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Oh. Bon, ça c'est un petit peu un autre délire, mais ouais, ok. Bravo Maxime. Ouais. Est-ce que je peux proposer peut-être une autre technique? T'es volontaire toi, hein? Je vais essayer des fois. Peut-être lui faire peur un peu. Montre-moi. Est-ce qu'il a acheté encore? Pourquoi t'as pas sorti ça avant? Mais on était au milieu d'un radeau de survie. Des garpies. Ok, plus bestial ton cri. Connecte-toi à ton instinct. Des garpies. Des garpies. Un cri de bête, s'il te plaît. Des garpies. Zou. Zou. Il recule, hein. Il recule. C'est ça, oui. Il recule. C'est ça. La prochaine fois, tu seras dans mon plateau de fruits de mer. Zou. La proposition est pas inintéressante, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as dans la main là? Ça, c'est radical, hein, pour les animaux. Ça marche bien, ouais. Ah ouais. Ah ouais, avec ça, je me régale. Ah, j'aurais pas osé. Bah, je peux essayer. Tiens, tente. Elle s'est enrayée, là. Ça c'est le risque, hein, de la mécanique. Hein. Mais voyez, c'est ça le problème, c'est que vous êtes dans du fantasme. J'ai ma petite fusée de détresse, j'ai mon petit fusil. Avec un ours, c'est différent. Un ours, lui, ce qu'il aime pas, l'ours, c'est l'eau, justement. Donc l'ours, tu le mets à la flotte. Est-ce que tu peux te mettre en extension, requin? Tu vois, il peut faire l'ours. Waouh. Moi, ça m'est arrivé, ça. Grizzly. Ours brun. Ah, ours brun. Ours brun. Où ça? Marne la Coquette. Ah, pareil. Toujours pareil, toujours au même endroit. Ah ouais. Ouais, ça doit être impressionnant. Combien 6 mètres, là? Un ours? Ah, ça peut monter jusqu'à 16-17 mètres, un ours. Ah la vache! Moi, je suis tombé sur un 18-19 mètres. Vous contredisez beaucoup. Comment? Non, j'ai rien dit. Bah, merci beaucoup pour l'intervention. N'hésitez pas à nous apprendre la vie, c'est... Bah, j'ai pas hésité. Ouais, c'est vrai. Je peux me permettre de vous demander un petit avis sur le radeau. Enfin, c'est vrai que là, on le voit de l'extérieur pour la première fois et je suis quand même assez fier du résultat. Quoi. Enfin, ah non, mais là... Vous préférez la proue ou la poupe? Je préfère ni l'un ni l'autre. Votre truc de l'intérieur, c'était pas bien, de l'extérieur, c'est encore pire, quoi. Trois palettes à Carrefour Market, là, et puis vous avez foutu ça sur l'eau, quoi. Ouais, c'était Carrefour City, mais c'est sympa. Et puis, c'est à quoi ta tourelle? C'est super de voir loin quand tu veux survivre. Mais c'est comme ça qu'on a récupéré tout ça, c'est bon, c'est pas la peine non plus de. Oh là là, et oh, oh attention. Ouais. Eh mon grand, j'ai fait 250 bornes pour essayer de te transmettre un petit peu de mon savoir. Ouais. Si tu veux être dans le déni que t'as rien envie d'entendre, je prends mes clics et mes claques et puis Ouais. Non, moi j'aurais dit pareil. Ouais. Merci Stéphane. Pardon. Pardon. Conclure sur ça. Okay. Pardon Stéphane, pardon. Merci beaucoup. Allez. Bon bah voilà, c'est... On faisait fausse route. C'est peut-être aussi bien des fois que des gens nous ramènent sur la terre ferme, c'est le cas de le dire. Bon, je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'est le déni, ça s'appelle le déni. Ah quoi. D'accord, ok. On s'en est bien sorti face au requin quand même. C'est vrai. Extrait. Et puis maintenant, on sait qu'il faut faire les gros yeux. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce format vidéoludique. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Igral de l'avoir sponsorisé. Le premier lien dans la description, ça soutient cette chaîne infiniment. Et merci à Stéphane Malassagne, notre coach en survie. De nous avoir remis dans le droit du jour, de nous avoir, voilà, un petit peu ouais. Une petite tape derrière la nuque. Oui. Ça fait du bien parfois. Ouais. Tous ses réseaux sociaux sont dans la description. Abonnez-vous à cet homme incroyable. Oui. Il est absolument hilarant. Et on se dit à bientôt. Ouais, à plus, les jeunes. Tous. Salut. Salut. Et ouais. Que l'aventure ne vous effraie pas. Ah là là, c'est beau, ça. L'hôpital, la charité. Allons, ah non, en trajet froid.